qui ont été annoncés la semaine dernière hein, par toute l'équipe dirigeante d'Apple. Et Pierre Fontaine est avec nous pour commencer à nous briefer sur ces nouveaux produits. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a des innovations, il y a des choses qui nous plaisent, il y a des choses qui nous font un peu moins plaisir. Et justement, la question orange du jour sera consacrée à ces nouveaux MacBook Pro. Car l'une des particularités, c'est qu'un certain nombre de connecteurs ont disparu. Alors, Apple a-t-il raison de supprimer toutes les prises sur les nouveaux MacBook Pro? On va en parler. Qu'en pensez-vous? Donnez-nous votre avis. Pour cela, vous allez tout simplement sur www.01nettv.com et vous votez à notre sondage hebdomadaire. Oui ou non, on fera le point tout à l'heure. L'actualité high-tech cette semaine, c'est également un nouveau smartphone et non des moindres. Il s'agit de Huawei, le poids lourd chinois qui fait de plus en plus parler de lui et qui vient de dévoiler cet après-midi à Munich son nouveau flagship. Et devinez qui va nous en parler? Eh bien, c'est précisément François Sorel qui est sur place. La chronique Zoom Actu de Delphine Sabatier sera consacrée à Hype. Hype, ce nom ne vous dit rien pour l'instant, mais très bientôt, vous ne connaîtrez que lui. En tout cas, enfin peut-être, c'est le remplaçant de Vine, l'application de vidéo sur Twitter. Le labo, comme d'habitude, les spécialistes du labo viennent nous montrer ce qu'ils ont dans leur besace. Et cette semaine, voici le résultat des 01net Awards. C'était le grand concours lancé par 01net.com il y a maintenant quelques semaines. Les 10 meilleurs produits de l'année. Avec Stéphanie Molenier, nous allons découvrir le palmarès de ces 01net Awards. Enfin, vous voyez que le programme est chargé. On terminera avec des tablettes que va venir nous présenter François Bedin, qui a mis de côté pour nous une Huawei 8 pouces et une Asus 10 pouces à découvrir aujourd'hui même dans 01 Live Hebdo. Voilà, c'est le sommaire, c'était chargé, je vous l'ai dit, c'est parti, bienvenue. Et comme chaque semaine, vous le savez, vous pouvez interagir. Puisque nous sommes en direct, ça se passe sur Twitter. Vous allez sur Twitter, vous postez vos messages, vos questions, vos remarques, vos commentaires avec le hashtag 01live et nous découvrirons, enfin comme chaque semaine, on relayera vos messages, vous qui êtes avec nous et qui nous suivez chaque jeudi soir sur 01net TV. Bon, je vous l'ai dit, l'actualité, c'est du côté de Munich que ça se passe ce soir, puisque c'est à Munich que Huawei a décidé de dévoiler son nouveau flagship. Donc nous avons missionné sur place nos meilleurs limiers, nos meilleurs reporters, nos plus fins spécialistes. François, est-ce que tu es là? Ah bah écoute, bien sûr je suis là. Est-ce que tu m'entends Jérôme? Je t'entends, je te vois. Ça marche. Bon, c'est parfait. Ben, bonjour à vous toutes et à vous tous. Et oui, en direct de Munich, pour vous présenter ça, Jérôme. Tu vas être complètement halluciné. Je te présente un smartphone. Eh oui. Mais c'est hallucinant. T'as vu, c'est bon quand même, hein. Voilà, ah, comment... C'est le Mate 9. Le Mate 9, ok. Bon, le pitch, François. Le pitch, Huawei monte en gamme, Jérôme. Tu sais, on l'a remarqué ces derniers mois, ces dernières années, Huawei ne veut plus être un petit constructeur chinois qui fait des téléphones d'entrée de gamme ou de moyenne gamme. L'objectif, c'est véritablement de sortir des téléphones luxueux. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ils ont annoncé un partenariat avec Porsche Design, carrément. Ah ouais. Avec un téléphone étonnant, je ne sais pas si vous le voyez actuellement, un téléphone qui a été designé donc par Porsche. C'est pas d'ailleurs le premier téléphone hein, designé par Porsche. Rappelle-toi, il y a quelques années de ça, on avait eu un BlackBerry qui avait été Porsche designé comme ça, c'était le passeport, je crois bien. Et bien là voilà, donc Huawei passe un accord donc, avec Porsche Design. D'accord. Très joli téléphone, fait de carbone et de verre, très léger, très très beau, franchement, hyper bien fini. Le seul petit truc qui est important, c'est qu'on voit ce gros Porsche Design en haut du téléphone. Ouais. C'est un peu genre... Alors, ouais, pour l'instant, les images qu'on voit, c'est très conceptuel. Hein. Mais toi, tu l'as eu entre les mains? Oui, exactement. Je l'ai eu entre les mains. Alors, imagine un très, très beau téléphone fait de carbone et de verre, avec en haut écrit Porsche Design, en gros. Ça casse tout le concept. C'est bien dommage d'avoir, si tu veux... Ça peut penser, tu sais, quand on était jeune, dans la voiture, on avait l'autocollant Pionnier. Bien sûr. La même chose, voilà. La marque Porsche Design. Bah, c'est bien, c'est bling-bling. Ça doit te plaire. Oui, à Dubaï, je pense qu'à Dubaï, ça va cartonner. Surtout qu'il y a la version gold et champagne qui arrive. Tiens, puisqu'on parle de champagne, c'est la version qu'on a là du Mate 9, on va dire,
plus normal, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu deux maintenance. Ouais. Alors là, on voit les deux à l'image, François, parce que voilà, on avait le Porsche Design à gauche et toi, tu nous montres le Mate 9 à droite. Donc, ouais. Au niveau technique, ce Mate 9, alors il se présente comment? Alors écoute, c'est vraiment, je disais tout à l'heure, du haut de gamme, un processeur que Huawei juge exceptionnel. Franchement, ils vont pas nous dire le contraire, mais visiblement, ils ont mis le paquet avec un processeur qui serait beaucoup plus puissant que tous les processeurs actuels de la concurrence. Un appareil photo toujours Leica, ça c'est véritablement important. Ça devient une marque de fabrique. Huawei, exactement. Donc là, tu te retrouves avec deux petits appareils photo. Je ne sais pas si on le fait en direct là. Hein. Je ne sais pas si on vous le voyez bien, mais donc véritablement, parfait. On trouve la Fight Leica. C'est la deuxième génération donc caméra Leica avec, tu sais, une caméra qui filme en noir et blanc et puis une autre qui filme en RGB. Là, on monte en pixels. On est passé à 20 mégapixels pour la caméra noir et blanc et à 12 mégapixels pour la version couleur. Les photos ont l'air sympathiques avec, tu sais, cet effet réflexe là, bokeh, qui est vraiment très réussi. Une batterie hyper puissante de 4000 mAh, Huawei nous promet 2 jours d'autonomie avec. Et puis surtout, il te livre avec, dans la boîte, un super chargeur, un peu comme chez Tesla, qui te permet de recharger ton téléphone en... Il mélange tout. C'est ça. Je pense que si tu branches ton téléphone sur un chargeur Tesla, alors là... Non, ça, faut pas le faire. Faut pas le faire, je pense que là, ça va être mauvais. Mais donc là, en une demi-heure de recharge, tu te retrouves avec une journée, si tu veux, d'autonomie. D'accord. C'est pas mal. Et véritablement, on voit que sur les téléphones haut de gamme, on a ça qui arrive de plus en plus. Hein. On charge quelques minutes et on se retrouve avec beaucoup d'autonomie. Dernière chose importante, c'est la qualité de l'écran et surtout les bords. Je ne sais pas si tu les vois, il n'y a presque pas de bords sur ce téléphone. Là encore, c'est une grosse tendance. Ah ouais, c'est pas mal. Hein, le tour a été réduit au minimum. Ouais. Exactement. Bon, tu te retrouves avec un, si tu veux, le form factor d'un iPhone 7 Plus avec un écran qui fait 5,9 pouces. Donc, qui est plus grand que celui de l'iPhone 7 Plus. En effet. On a les prix, François? Bien et la sûr. Date de sortie? 699 €. Ça sort dans ces jours-ci. 64 gigas de mémoire. Et puis, la deuxième chose, c'est le modèle Porsche Design. Alors là, accroche-toi bien. Tu sais quoi, pour la première fois, Huawei va sortir un téléphone plus cher qu'un iPhone. Attends, parce qu'on a eu une coupure au moment où tu disais le prix, donc on ne l'a pas eu. 699 € pour ce modèle-là. D'accord. Le Mate 9. Le Mate 9. Et donc, Huawei s'apprête à sortir un téléphone encore plus cher que l'iPhone 7 Plus, puisque la version, on va dire, Porsche Design, que tu as vu tout à l'heure, elle sera vendue aux alentours des 1400 €. 1400 €? Eh ouais, mon pote. Ouf. Alors, à mon avis, ils vont en vendre 2-3, hein, pas plus. Ouais. Tu m'en prends 2, là, avant de rentrer. Je ne dis pas fort, parce qu'il y a tout le stade de Huawei qui est là. Et là. Alors, pour tout vous expliquer, si vous voulez, on vient de sortir de la conférence, on est en after work, comme on dit. Donc ça boit, ça mange et ça dit, oh là là, c'est bien. C'est pas joli ça. Ah, je connais ce profil barbu là. Hein, le profil barbu qui est là. Ouais. Les deux profils barbus d'ailleurs. Eh oui, voilà. Ils travaillent bien. Là, ils sont en after work. Ils se cachent, ils sont de dos, mais on vous a reconnu, Jean-Sébastien Zanchi, Christopher Siminelli. De 01net. Ils sont là également. Bon, super. Ouais, encore un mot. Dernière chose, Huawei sort un tracker d'activité. En fait, ça s'appelle la Huawei Fit. C'est une petite montre avec un écran, si tu veux, à encre électronique, étanche, avec capteur de fréquence cardiaque et qui affichera les notifications. Ça coûtera 199 € et ça sort là aussi dans les jours qui viennent. D'accord. Super. Parfait. Merci, François. Écoute, rentre bien. Profitez bien de l'afterwork. Oui. Et on vous prépare une vidéo pour demain, bien sûr. Hein, eh ben oui. Toutes les nouveautés que vous pourrez voir en avant-première sur 01net.tv. Présentation détaillée et ensuite le test, comme d'habitude, à lire sur 01net.com et à voir en vidéo sur 01net.tv. Il y a Caribou sur Twitter qui nous dit qu'il trouve que le design du portable Porsche n'est pas mal. Et puis, il ironise sur le prix, on le rappelle, 1400 €. Je pense que c'est sans doute l'un des smartphones les plus chers du moment. On a encore un petit peu François Sorel dans les oreilles. Je pense que voilà, il va falloir... Les meilleures choses ayant une fin. Il est 18h10, vous regardez 01 Live Hebdo et on va passer du smartphone Huawei aux ordinateurs Apple avec Pierre Fontaine qui est avec nous. Salut Pierre. Bonsoir Pierre. Il est là. Il est là. Le voici. Tout unibody. Tout beau, tout petit. En gris sidéral. C'est donc le nouveau MacBook. Alors c'est l'un des nouveaux MacBooks, on est bien d'accord. Oui, c'est le
c'est le MacBook Pro d'entrée de gamme, c'est-à-dire 13 pouces. D'accord. Et comment on sait qu'il est entrée de gamme? C'est quand on l'ouvre, en fait, il n'a pas la grosse nouveauté que tout le monde attendait ou attend, c'est la Touch Bar. Il n'a pas la Touch Bar. En fait, on a un peu l'impression, outre le changement de design, d'avoir affaire à un MacBook Pro classique. Oui, en fait. C'est vrai. On est presque un petit peu déçus, en fait. Elle est où la nouveauté? Alors, il y en a des nouveautés, bien sûr. Mais celle qu'on attendait le plus et qu'on aura le plaisir de découvrir la semaine prochaine, parce qu'on va recevoir les exemplaires de test avec la Touch Bar. Voilà, arrivons plus tard. Donc, pour l'instant, on a donc ce MacBook Pro d'entrée de gamme, qui est quand même à 1 699 €. C'est une entrée de gamme qui est quand même assez chère. Alors, qu'est-ce qui... Donc, il remplace quelque chose Alors, pendant la conférence, ce qui a été dit, c'est voilà, grosse comparaison avec le MacBook Air 13 pouces en permanence. Évidemment, il remplace les MacBook Pro préexistants, même si un ancien modèle reste encore à la vente pour l'instant. Mais effectivement, et d'ailleurs, c'est ce qui va poser un petit peu les problèmes dont on va parler plus tard, j'imagine, c'est qu'il est un petit peu le cul entre deux chaises, si je peux m'exprimer. C'est joliment comme ça. Dit. Il est à la fois, il aimerait bien être MacBook Air, mais en même temps, il aimerait bien être MacBook Pro, et puis bah, finalement... On ne sait pas trop s'il arrive à être l'un ou l'autre. Il ne sait pas trop où il a mal. Voilà, en fait. Alors c'est vrai que, parce qu'en termes de poids, hein, il fait 1,37 kg. Le MacBook Air, il est à 1,36 kg. Donc bon, bah, même poids, on va dire. Ouais, mais il est plus fin quand même. Mais je il est plus fin. Il est effectivement plus fin. Il est, le design a été revu. On n'est plus le fameux design en goutte d'eau du MacBook Air. Mm-hmm. Ça, c'est hop, c'est fini, on n'en parle plus. Donc alors là, on voit la Touch Bar, mais non, attention, voilà, hein, celui dont on parle actuellement, le 13 pouces, donc à 1 699 €, n'a pas la Touch Bar. Alors, bon, les tests sont en cours. On mais a un fait, premier avis, un premier ressenti. Alors, premier ressenti, deux points positifs à coup sûr et un troisième que je trouve positif moi à titre personnel, et ensuite des points plus négatifs. Le premier point positif, c'est l'écran. C'est un écran Retina, mais qui récupère la techno P3 qui a été introduit avec les iMac 5K. Donc c'est en gros, ça garantit un bien meilleur contraste, un bien meilleur rendu des couleurs, ce qui est un gamut beaucoup plus large. C'est un gamut dit cinéma, vu que c'est une techno qui vient du cinéma. Donc un écran qui est vraiment vraiment bluffant, franchement il est très confortable, très agréable, très lumineux. Le deuxième point hyper positif, c'est le touchpad qui est beaucoup plus large. Donc, oui, alors ça c'est effectivement voilà. ça frappe hein, quand ouais, on il est, l'ouvre. Il est beaucoup, ce qui fait que... Est-ce que c'est vraiment utile ça? Bah, macOS est quand même très pensé pour le multi-gesture, c'est-à-dire si je veux travailler avec plusieurs bureaux, si je veux faire un éclaté de mes fenêtres, etc. Puis sans rappelons passer que par des raccourcis clavier. Rappelons que hyper... l'écran n'est pas tactile, donc voilà. Effectivement, c'est une manière de compenser la politique d'Apple qui ne juge pas pertinent de mettre un écran tactile sur des portables, des ordinateurs portables. Donc ça c'est le deuxième point que je trouve positif. D'accord. Le troisième point que je trouve très positif, c'est le clavier, c'est le même que sur les MacBooks avec les touches papillons, donc une course très courte. D'accord. Moi j'aime beaucoup, ça permet de taper très très vite et quand on tape beaucoup c'est agréable une fois qu'on et ça c'est fait. Différent de l'ancienne version, d'ancienne génération. En fait ça a été introduit avec le MacBook 12 pouces et là ça arrive sur les MacBook Pro, donc là ça, extérieurement c'est les trois points que je trouve bien. Ensuite on va passer aux choses qui fâchent un petit peu. Allons-y. C'est grosso modo, on se retrouve avec une connectique non seulement réduite à la portion congrue, parce qu'on a deux ports. Alors montrons-les. Sur ce modèle-là, hein, on a deux ports latéraux. On a le port d'Amsterdam et le port du Havre. Non, je plaisante. Donc on a deux ports Thunderbolt 3. Voilà donc, tout ce qui nous reste. Ils nous ont tout enlevé. Voilà, sachant que un de ces ports servira à l'alimentation, comme sur le MacBook. On alimente par l'USB-C. Voilà. Enfin, par le Thunderbolt 3 qui supporte l'USB-C. Et on a un autre qui permet de brancher ce qu'on veut. Mais ce qui veut dire... Je les ai là même, les cas. Ce qui veut dire, voilà, ce qui veut dire qu'on se retrouve obligé, si on veut faire une sortie HDMI, si on veut faire une sortie vers... quel que soit d'autre, d'avoir un adaptateur. Donc c'est un petit peu le Mac des adaptateurs. Il est plus léger, mais vous aurez une cargaison d'adaptateurs avec vous en permanence. Mais et ce qui veut dire que, et surtout le plus gênant, c'est qu'on l'aura remarqué, si on le tourne de l'autre côté, je ne sais pas si on le voit là, hop, d'autre côté, il y a juste
Ah, il n'a pas disparu. Alors là, on a le port jack, ça, oui. c'est la bonne nouvelle. Sachant qu'elle n'est pas, c'est plus une sortie optique. Mais c'est quoi, ils ont oublié de l'enlever Non, ils l'ont percé, la perceuse, ah ouais. Vous savez, cette vidéo. Bref. Enfin, sur non. le prochain modèle, il va disparaître, bah, ce port jack, puisqu'ils en veulent le port jack. Ils le revendiquent en disant que pour les usages professionnels, c'est bien, mais en même temps, ils ont supprimé la sortie optique. On n'a pas encore réalisé tous les tests, mais pour les micros, ça n'a pas l'air gagné. Mais ce qui pose vraiment problème pour les professionnels, et notamment la photo, c'est qu'il n'y a pas de lecteur de carte SD, XC, SDHC intégré, de carte SD, on va dire pour faire court, intégré. Ah oui. Ce qui veut dire alors que... Alors ça, c'est complètement fou. Alors, selon Phil Schiller, c'est cumbersome, c'est-à-dire que c'est un peu encombrant, c'est lourd, c'est pas pratique. Moi, je trouvais que c'était plutôt pratique de dire, tiens, là, je suis au milieu de nulle part, j'ai pas 45 000 adaptateurs, j'éjecte ma carte, je le mets dedans, j'importe, c'est fini. Sans oublier, Pierre, que ça peut servir aussi à étendre la mémoire de stockage de l'appareil, qui est quand même assez limitée. Ça peut être aussi le cas. J'en ai une en permanence, et j'ajoute 256 gigas de plus. C'est vrai que ça peut être aussi le cas, mais là, vraiment, on a... D'ailleurs, on le voit sur les blogs spécialisés en photographie, il y a plein de gens qui disent « Oh là là, mais c'est quoi cette histoire ? Moi, je vais être obligé d'aller voir du côté de Windows. » Et alors que c'est quand même juste pour un petit port qui tenait largement dans l'épaisseur de la bête. Mais on a l'impression que c'est idéologique. En fait, voilà, il y a une grosse tendance à vouloir faire du sans fil, une grosse tendance à vouloir tout déporter dans le cloud quand c'est possible. Mais à un moment, effectivement, la praticité, c'est quand même d'avoir un port physique pour brancher une petite carte. Et là, cette disparition-là... c'est un petit peu dommage. Et aussi, autre point, parce qu'on dit qu'il n'y a pas la touch bar, mais partie intégrante de la touch bar, il y a aussi le capteur Touch ID qui permet de déverrouiller ou de payer avec donc, Apple Pay avec son doigt. Il n'est pas présent. Ok, certes, c'est certainement intégré dans la techno, mais est-ce qu'ils n'auraient pas pu faire l'effort de le mettre partout, d'autant plus que ça servirait leur volonté d'étendre Apple Pay sur le web. C'est pas un MacBook Pro rabais finalement ? Alors, moi, du coup, les tests ne sont pas finis, donc on ne va pas se prononcer. Les premiers tests d'autonomie sont tombés. C'est pas mal, mais c'est moins bien que les MacBook Air de l'année dernière par exemple. Moi, sans avoir tout fini pour l'instant, en fait c'est la première fois que je me dis que je devais changer mon Mac, parce qu'il commence à être vieux et ça fait longtemps que Apple nous faisait un peu traîner. On espérait un MacBook Air Retina, il n'arrive pas. Bon, on dit que ça peut être un ersatz de MacBook Air Retina, voilà. Et ben, c'est la première fois que je me dis que je vais peut-être pas prendre un Mac en fait. À cause de ces problèmes de connectique. Et ça me fait mal parce que je n'utilise que des Macs pour travailler depuis 2001. Oui. Donc c'est peut-être un raté. Voilà. Exactement. Merci beaucoup Pierre Fontaine pour ce premier coup d'œil sur le nouveau MacBook Pro. Et c'est la question 01net Orange du jour. Pensez-vous qu'Apple a raison de supprimer toutes les prises sur ces nouveaux Mac Pro ? Ben regardez, première tendance. Non, il n'a pas raison. Autrement dit, il a tort. Donc, voilà, 77% qui sont de l'avis de Pierre Fontaine. Attention, Apple, peut-être êtes-vous sur une mauvaise pente avec ces idées qui, parfois, sont intéressantes, parce que c'est vrai qu'ils font progresser la techno. Et de notre côté, on se demande si là, ils ne vont pas un petit peu trop loin. Merci beaucoup, Pierre Fontaine. À bientôt, on aura l'occasion évidemment de reparler de ce MacBook Pro. Tout de suite, c'est notre chroniqueuse la plus hype. C'est Delphine Sabatier, vous allez comprendre dans un instant pourquoi je dis ça. Voilà, si vous nous prenez en cours de route, c'est 01 Live Hebdo comme tous les jeudis soirs sur 01net TV en direct chaque jeudi soir, il est 18h19. François Aurel est absent exceptionnellement. Tout à l'heure, on l'a entendu, il est à Munich pour la sortie du nouveau Huawei. Mais Delphine Sabatier, elle, est avec nous. Salut Delphine. Salut Jérôme, je t'applaudis pour ton jeu de mots. Ah, c'est bien, super. Hein, la chroniqueuse la plus hype. Pourquoi ? Génial comme lancement. Voilà, alors hype, qu'est-ce que c'est que ça ? Tu vas nous en parler tout de suite parce qu'il faut d'abord parler d'autre chose, c'est l'application Vine qui était pourtant assez connue, qui permettait de poster des vidéos sur Twitter. Et ben voilà, Vine c'est fini, on l'a appris il y a quelques jours. Twitter a décidé de mettre fin à cette appli, pour quelle raison ? Alors moi j'adorais Vine, hein. Je pense qu'on va être nombreux à regretter ces vidéos qui faisaient 6 secondes et qui tournaient en boucle comme ça. Alors
c'est pas tout à fait fini maintenant, mais on a annoncé son enterrement pour dans quelques mois. Voilà, histoire qu'on se prépare à cette nouvelle. C'était quand même des vidéos plutôt fun, très créatives. Il y avait un côté répétitif, comme ça, un comique de répétition qui était hypnotique. Parce que ça tournait en boucle, en plus. Voilà, et la raison pour laquelle ça s'arrête, c'est pas parce que ces vidéos étaient nazes, c'est parce que ça ne rapportait pas d'argent et que Twitter est dans une situation aujourd'hui très compliquée. Il s'apprête à supprimer encore des centaines d'emplois, 350 emplois prochainement. Et que Vine, eh bien, on n'a pas réussi à le monétiser, mettre de la pub dedans, même si cet été il y a eu des annonces, ça arrive un petit peu tard. Et puis, Vine n'a pas forcément non plus été très soutenu, je dirais, par Twitter, qu'il a racheté pourtant quelques mois après son lancement en 2012, face à l'arrivée des petits nouveaux qui se lançaient dans la vidéo. Alors quand je dis petits nouveaux, par exemple Facebook, mais Facebook Live, Snapchat, tous ces réseaux sociaux qui se sont lancés sur la vidéo en direct, avec Periscope aussi qui a été donc privilégié par Twitter pour rester dans son giron. Bon, et alors pour se consoler, deux des créateurs de Vine, je crois, ont décidé quand même de lancer une nouvelle appli qui s'appelle Hype. Et Hype, vous l'avez testé. Oui, alors je me suis dit, chouette alors. Donc tout n'est pas fini, tout n'est pas mort. Donc c'est Colin Kroll et Russ Yusupov qui lancent une application un peu différente de Vine quand même, parce que là on est plutôt dans la vidéo en direct. On est sur un concurrent de Periscope. Serait-ce une vengeance masquée contre le chouchou de Twitter? Peut-être. Alors j'ai installé l'application, pour l'instant c'est encore en version bêta, uniquement pour iOS, donc ça reste limité. On peut se connecter très simplement, il suffit de se connecter via Facebook ou via son compte Twitter. Donc ça fait un peu Snapchat en vidéo aussi, non? Alors, quand on arrive effectivement, on découvre plein de visages super joyeux, ouh c'est chouette et tout ça, c'est très américain. On demande à Hype aussi de nous prévenir quand l'appli sera lancée dans sa version finale. Et en attendant, on découvre quelques lives qui sont en cours. Et je dois dire que ça, c'est assez décevant pour l'instant. c'est kitsch. Voilà, on a un fond violet que je ne m'explique toujours pas, que je trouve pas forcément du meilleur goût. Il y a des petits boutons d'interaction, donc ça c'est la nouveauté, je dirais, par rapport à Periscope. C'est qu'on peut appliquer des petites fonctionnalités différentes. On peut faire des commentaires comme sur Periscope, mais on peut, par exemple, le streamer va pouvoir les épingler pour les sauvegarder en top de sa vidéo. On peut aussi les mettre sous forme de bulles BD. Alors moi, je n'ai pas réussi, hein, peut-être que ce n'est pas encore disponible, alors je n'ai pas trouvé. Ouais, si c'est la version bêta, c'est possible. Voilà, on peut inviter évidemment ses amis à partager ses lives. À la place des cœurs, on envoie des étoiles. Ah oui, ça change tout. Ça change tout. C'est une autre philosophie. C'est beaucoup plus laid. voilà. Ça fait un peu serpent d'air, non? On voit donc combien de personnes. Je sais pas. C'est la piste aux étoiles. La fée clochette. Version Twitter. On voit combien de personnes regardent le live. On est vraiment dans l'environnement d'un Periscope Snapchat. Ouais. Mais alors, à part donc les vraies différences essentielles par rapport à d'autres choses comme Periscope. Alors il y a aussi le fait de pouvoir ajouter, ça c'est la principale différence, des emojis, des photos, des vidéos. C'est-à-dire que je fais mon direct, on est en train de filmer par exemple là notre 01 live sur Hype, et bien on peut ajouter des effets, on peut ajouter des fonds d'écran, on peut apparaître dans une étoile par exemple. Mais dans une étoile avec vous d'être filmé, j'adorerais. Dans une petite loupe. on peut aussi donc ajouter des vidéos qui, elles, ne seront pas en direct, des photos, des emojis, tout un tas de gifs très marrants, très sympas. Je dirais que c'est tout ça de très bonnes, ce sont des bonnes intentions, mais il faut être créatif. Ouais. Voilà. Sommes-nous tous créatifs? Non. Sommes-nous tous doués pour faire de la création? Non. Je ne suis pas très sûre. Ouais. Et ce sont des vidéos éphémères. Hein. Alors, on est sur un principe où on peut sauvegarder les vidéos. C'est-à-dire que le streamer peut décider de sauvegarder ses vidéos pour qu'elles restent, qu'elles durent et qu'on puisse les regarder après. Donc, ce n'est pas vraiment le jeu de l'éphémère qui est mis en avant à ce que je vois pour l'instant. D'accord. Voilà, on nous dit que ce Hype va ringariser Periscope. Pour l'instant, moi, je trouve que c'est plutôt Hype qui est encore un petit peu ringard, vous l'avez compris. Mais c'est vrai que ça apporte des nouvelles fonctionnalités. Peut-être que ça va plutôt inspirer Periscope, qui se dit qu'il va pouvoir s'inspirer de Snapchat et ajouter des fonctionnalités. Je suis plutôt d'un naturel enthousiaste, mais c'est vrai que là, pour l'instant, j'ai encore du mal à être convaincu. Voilà, l'appli Hype testée par Delphine Sabatier. Verdict, c'est ringard. On ne mâche pas nos mots dans 01 Live Hebdo. On est en retard, tout de suite, c'est le labo. Merci beaucoup Delphine. Merci.
On est en retard, mais on sait que même si on déborde, en général, vous restez avec nous. Donc finalement, vous ne serez pas déçus. Vous pouvez interagir comme d'habitude, vous le savez, sur Twitter, hashtag 01live. Vos questions, vos commentaires pour ce 01live hebdo qui se poursuit avec Stéphanie Molinier. Bonsoir Stéphanie Molinier. Bonsoir Jérôme. On va parler d'un événement qu'on vous avait présenté, que nous avions présenté ici même dans 01live hebdo il y a quelques semaines. Et ça y est, qui a atteint son but, ce sont les 01net Awards. En deux mots, on rappelle ce que c'est, les 01net Awards. Bien, c'est un grand jeu concours organisé par 01net. Et l'idée, c'est de demander aux internautes de voter pour le meilleur produit de l'année. Donc on avait préparé 10 catégories, des smartphones, des PC portables, etc. etc. Et les internautes donc, votaient dans chacune de ces catégories pour leurs produits préférés. Et pouvaient donc laisser leurs coordonnées pour participer à un grand jeu concours et gagner des smartphones OnePlus 3. Génial. Donc c'est super. Alors d'abord, il y a des gagnants, donc tant mieux pour eux, bravo, on les félicite. Et puis, ça nous permet, nous, d'avoir vraiment un ressenti par rapport à tous ces produits qu'on a l'occasion de chroniquer tout au long de l'année. Il y a une catégorie qui est particulièrement prisée, hein, je crois, ce sont les smartphones de 200 à 500 euros. Oui, tout à fait. Alors parce qu'on ne va pas pouvoir donner la liste de tous les gagnants bien sûr, mais on va donner notamment ce gagnant-là. Voilà, and alors the winner is... dans la catégorie des 200 à 500 euros, j'ai nommé le OnePlus 3. Le OnePlus 3. Bah ouais, c'est incroyable. Bon, c'est vrai qu'en fait, chaque fois qu'on a eu l'occasion d'en parler ici, on sentait que les spécialistes du labo étaient assez emballés par ce produit. Mmh. Ouais, tout à fait. Mais le suivant est le Honor 8, donc voilà. Hein, c'était aussi, je dirais, voilà, c'était le duel et OnePlus 3. Et puis je vois qu'on a un Samsung Galaxy A5 en troisième position et on voilà, a. Voilà, exactement. Voilà. Sur très rapidement. Sur cette catégorie, il y a certains produits qui ne font pas partie de nos 10 grandes catégories, tout simplement parce qu'on les a testés très récemment, donc ils n'ont pas pu être inclus. Ils sont arrivés trop tard, je voulais faire mention, par exemple, d'un smartphone qu'on a testé justement dans cette catégorie et qui a montré des talents assez extraordinaires, c'était le Huawei Nova. Ouais. Donc je pense qu'il aurait eu aussi sa part de succès, mais voilà, malheureusement, il est arrivé un peu trop tard. Ce sera pour l'année prochaine. Bon, bah oui, c'est vrai, parce que c'est vrai, ça se reproduit tous les ans. Et voilà, exactement. Ouais, à condition qu'il ne soit pas dépassé d'ici là par d'autres. Ça, c'est la loi de la technologie. Alors le tirage au sort va avoir lieu. D'accord. Les 10 gagnants devraient être avertis demain dans la journée, très très rapidement en tout cas. Il faudra surtout qu'ils se manifestent dans les 8 jours pour être sûr de récupérer. Alors attention, hein. Leur message est passé, vous avez compris, il faut surveiller. Alors, ils sont avertis surveiller sa boîte mail. Ils sont avertis par mail. Voilà. Et si vous êtes gagnant, vous devez revenir vers nous très vite pour donner signe de vie. Et voilà. OnePlus 3. Bon ben super. Voilà, tout le palmarès évidemment est à lire, à découvrir sur 01net.com. On ne peut pas tout détailler, mais c'est vraiment intéressant parce que toutes ces catégories, bracelets connectés, smartphones décomposés en plusieurs segments de marché, les PC ultra portables, voilà, vous verrez quels sont les produits qui vous ont le plus emballé cette année. Et bien souvent, si j'ai bien compris, Stéphanie, ça correspond à ce qui avait été juste pour au ressenti des journalistes. Sur les smartphones haut de gamme, sans trop de surprise, c'est le Galaxy S7 Edge qui remporte le choix des internautes. D'accord. Ah ouais, ceux-là, il faut quand même... Voilà. Donc le S7 Edge, ensuite, et puis il y a quoi d'autre ? Après... L'iPhone 7 Plus, l'iPhone 7 et le HTC 10, c'est oui, ça ? Oui, voilà. Non, l'iPhone 7 Plus et l'iPhone 7 dans les premiers. Ouais, c'est ce que j'ai dans les montres, l'Apple Watch, la dernière, la série 2. La série 2, voilà. Bon, okay. Il y a des votes qui sont un petit peu sans surprise. Mais voilà, ça confirme Caribou, nos tests. Qui est plein d'humour ce soir, qui est facétieux et qui dit « il nous manque le Galaxy Note 7 dans la catégorie des briquets ». Oui, mais pour ça, il faisait partie de la sélection. Ouais. Et on a eu un peu peur qu'il y aille, mais c'était un cheveu. Bah, mais... C'était un super smartphone. Voilà, bon, allez, on ne va pas revenir smartphone. Sur ce sujet. Merci beaucoup Stéphanie Molinier, les 01net Awards. Nous allons terminer ce 01live hebdo avec un coup d'œil sur des tablettes. Alors on ne parle pas très souvent des tablettes, donc on est heureux de pouvoir faire un petit focus ce soir avec François Bedin. Bonjour, bonsoir François. Bonsoir, avec une sélection de deux tablettes, hein, je crois, voilà. Qu'il faut signaler, alors, qui viennent d'arriver au labo. En général, il se passe pas beaucoup de choses maintenant sur le marché des tablettes, mais il y a quand même deux constructeurs qui ont décidé de sortir des modèles haut de gamme par la conception, mais quand même assez abordable en termes de prix, donc Huawei et Asus. D'accord, donc il y a une Huawei 8 pouces, c'est ça ? Alors, on les montre. Voilà la 8 pouces. Okay.
qui coûte quand même 350 euros. D'accord. Quand même, c'est pas de la tablette à 100 euros, hein, c'est de la tablette à 350. C'est amusant parce qu'on retrouve un peu le design des smartphones, hein, des smartphones Huawei, si je Voilà, mais c'est vraiment soigné. Et surtout, la définition de l'écran est quand même extrêmement élevée. C'est plus que du Full HD, puisque sur la Huawei, c'est quasiment que du 4 millions de pixels. D'accord. Impressionnant. Quel prix ? Alors, 350. 350 pour celle-là. D'accord. Très bien. On a quelle capacité de stockage pour ce prix ? Alors, sur celle-là, c'est une 32 gigaoctets. Ouais, c'est un minimum quand même. Hein. C'est quand même un minimum. Ouais. C'est même pas beaucoup, on peut voilà dire. Voilà l'Asus. Et voici l'Asus. Donc, celle-là, c'est une plus grande. Hein. Donc, celle-là, c'est une 9,7 pouces. Elle a la même définition que l'iPad. D'accord. Et elle coûte, celle-là, 380 euros avec 64 gigaoctets de stockage. Donc, taille d'écran légèrement supérieure à la Huawei pour un prix légèrement supérieur, mais pas énormément. Hein. Mais bon, c'est la différence de prix n'est pas énorme. Voilà, c'est pas énorme. Alors, dedans, ils ont mis des processeurs quand même extrêmement véloces, puisque sur l'Asus, il y a un processeur 6 cœurs, et sur la Huawei, un 8 cœurs, le 8 cœurs maison du constructeur. Très bien, très bien. Donc par exemple, sur l'Asus, j'ai fait des tests pour jouer en 3D, ça marche très très bien. Ça le fait. Voilà. Bon, bah, impeccable, super, c'est de l'Android dans les deux cas, bien entendu. Voilà, pour les gens qui ne sont pas beaucoup pro iOS et qui veulent une alternative, par exemple, à l'iPad, voilà, c'est exactement. Voilà des produits intéressants. Et c'est vrai qu'on voit que les prix des tablettes sont quand même pas mal effondrés. Hein. On est donc en dessous de 400 euros. C'est très accessible. Même si une tablette, ça ne remplace pas complètement un ordinateur. Et même à un moment donné, beaucoup de gens s'orientaient plutôt vers des tablettes à 100 euros. Alors évidemment, 100 euros, ouais, ça veut dire que l'écran n'est pas terrible. Ça veut dire que la tablette, elle fait le minimum, mais vraiment que le minimum. Il vaut mieux le dire carrément, c'est pas une très bonne idée, les tablettes à 100 euros. Voilà. Hein. Et je dirais juste pour terminer que le seul point faible que j'ai trouvé sur ces deux modèles, c'est un peu la partie photo, parce que franchement, ça ne remplace pas un appareil photo. C'est pas terrible. Ouais. Très bien, merci beaucoup François Bodin pour ce coup d'œil sur ces deux tablettes, dont là encore vous pouvez retrouver les tests bien entendu détaillés sur 01net.com. Un petit coup d'œil vers la question 01net Orange du jour, comme d'habitude, Apple a-t-il raison de supprimer toutes les prises sur les nouveaux MacBook Pro ? Non, Apple a tort d'agir ainsi, c'est votre opinion à 77%. On en parlait tout à l'heure avec Pierre Fontaine, puisque les nouveaux MacBook Pro arrivent et il y a plein d'innovations, c'est vrai, mais il n'y a plus de quoi brancher quoi que ce soit si on n'a pas tous les adaptateurs, une valise d'adaptateurs qu'il faut emporter tout le temps avec soi. Voilà, c'est la fin de ce 01 Live Hebdo. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à Noémie Lefebvre-Marek qui avait préparé cette émission et à Pierre Thiolin qui était aux manettes. On se retrouve bien entendu jeudi prochain avec François Sorel qui sera de retour. D'ici là, portez-vous bien. Et comme d'habitude, rendez-vous sur 01nettv.com pour découvrir toutes nos vidéos. Salut à tous, bonne soirée.